Bonjour à tous et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode d'un Monsieur Elvidia Jones un petit peu spécial. Alors spécial pourquoi ? C'est très très simple. Car en fait, je mets mon timer, voilà. C'est un ami à moi, Nef, Monsieur Nephili74 pour ceux qui connaissent pas encore. Donc là je vous mets un petit lien dans la vidéo, tac, pour que vous puissiez aller voir sa chaîne qui fait des vidéos Minecraft aussi. Donc un très bon pote à moi qui m'a, en faisant cette map aventure, enfin plutôt cette map jump, m'a lancé un petit défi. Sachant que moi, ceux qui sont abonnés à ma chaîne le savent très sûrement, moi et les sauts, vous savez qu'on n'est pas trop potes ensemble. Et donc cette petite enfoirée, on va dire ça comme ça, m'a lancé un petit défi de faire cette map là. Cette map qui est composée quasiment que de jump, hein. Donc de faire cette map. Donc on va essayer de faire mieux que cette espèce de petite... cette espèce de petite énergumène, et on va voir ce que ça donne. Alors, ne pas détruire, ni ajouter de blocs. En normal pour les pros, peaceful pour les débutants. Bah, je vais me foutre en peaceful parce qu'à mon avis, je vais pas tomber qu'une seule fois. Donc, excusez-moi, oui, je retousse pas mal. Voilà. Tac, on va se foutre l'armure. Hop là, on est beau. Ok. Eh bien, on commence facile, on est parti. Alors, on commence facile, on va y aller. Alors j'espère que j'aurai pas trop de lag. Hop là. Hop 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 hop. Ok. Oh putain. Ok. Bon. Celle-là, j'avoue, ça a été. Alors oui, comme vous pouvez le voir, je suis donc pas en 1.8, je suis en 1.7. Car j'avais pas envie qu'on me dise ouais mais tu triches, t'as utilisé les sprints pour les sauts et tout. Donc voilà, j'ai pris cette map en 1.7. Comme ça, il n'y a pas de triche possible. Et là je fais style mais je passe au-dessus de la lave. Donc voilà. Alors. Ouh, c'est même pas trop ça. Attends, mais c'est des doubles de toute façon, donc c'est bon, on peut sauter. J'aurais tendance à dire à l'arrache. Ok. Alors là, on va prendre ça. Donc en fait ouais, le défi consiste donc à faire cette map d'une. Je crois que c'est dans l'autre sens qu'il faut le mettre, je sais plus. Peut-être pas remarqué. On va voir. Voilà. Donc, ok. De faire cette map. Mais si possible, bah plus rapidement que Monsieur Nephilis. Hein, on va l'appeler comme ça. Donc, hop, on va essayer de faire ça. On va essayer d'en gros de faire les PGM pour lui faire fermer un petit peu sa petite bouille. Et voilà. Et lui prouver que voilà, en jump, je suis pas une sous-merde, chose qui est fausse. Ne pas ouvrir les trappes. Ah bon, d'accord. Alors on va y aller comme ça. Hop, là, on passe là. On ouvre. Allez, d'accord. Hop là, ok. Salle suivante. On enquille, mon ami. Ouais, j'aime pas ça. Ok. Allez. Ah ouais, ça va être chiant ça. Oh oui. Là. Parfait. Alors, salle 6. D'accord, on a de la glace. On voit rien du tout. Et là, il y a un coffre. Avec un gems. Donc là, il y a... ouais, donc là, je peux... Donc, ok. Ok. Donc... Est-ce que... Ouais, cactus m'a frôlé. On va pas toucher les cactus. On n'est pas des noobs. Allez. Voilà, c'est parfait. Salle 7. Ah, il y a un spawner de cochon. Oh, aïe, 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 j'aime pas ça. Ok, alors, on a deux côtelettes. Bureau de Monsieur Piggy. D'accord, bon. Eh ben, écoutez... J'aurais tendance à dire qu'on va essayer de se faire ça... À la bien cousin. Allez. Hop, hop, putain, j'en étais sûr. Toi dégage parce que je me venge sur un cochon sans défense. Voilà, allez mange. Voilà. Ok, on recommence. Ok, on recommence. Ok, j'avais la technique tout à l'heure là. Tac. 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 Hop. Hop. Hop.
Hop. Oh putain! Pardon. Bon, je vais faire que de sauter, hein, c'est pas grave. Alors. Putain, là j'ai cru que j'allais vraiment tomber. Tac. Tac. Ok. Ok. Hop. Là, ça me fait peur. Hop. Ok. Ok. Eh ben c'est parfait. Alors la suite, la suite. La suite, qu'est-ce que c'est que ça? On a encore deux armures, bah je vais les prendre, hein. Voilà. Sauf que je vais faire ça. Parce que j'ai pas envie d'avoir des choses dans ma main. ok. Oh, ok, d'accord. Hop là. Alors, un checkpoint, est-ce que je peux dormir? Yes! Parfait! Timing perfect. Pardon. Alors. Salut 8 déjà les amis. Alors on est parti, on enquille, on enquille. Alors attends, c'est quoi ça? C'est des jumps au-dessus. Au-dessus du feu. Alors hop hop. J'essaie d'aller le plus vite possible, hein. Exprès pour. Tac. Exprès pour lui prouver. pour lui prouver que moi aussi je peux le faire. Alors attendez, parce que là, qu'est-ce qu'on fait là? Faut que je saute sur le cactus? Chaud ça, non? Hop là. Ok, parfait. Là, je peux pas sauter, faut faire gaffe quand même. Ah non, d'accord, il y a un petit truc de feuille en dessous. Parfait. Hop. Et on va se faire ça comme ça. Ok. On continue. Hop. Tac. Ouais. Ok, je suis tombé. Alors. Ouais, donc j'ai décidé de faire cette map parce que d'une, c'était un petit défi, donc j'avais envie de le faire. De deux, parce que nous sommes samedi et que je me fais un peu chier. Et de trois, parce que je suis en train de télécharger la bêta de Battlefield 3. Donc, bah voilà, comme je la télécharge, il faut un petit peu de temps pour la... Oh, allez, bon, allez, je me concentre là. Je me concentre parce que vous me perturbez avec vos questions. Allez. Ok, donc je saute même pas. Tac. Ah, c'est trop court. Oula, petit lag. Hop, hop, hop. Je pense qu'il faut d'abord que j'aille là parce que sinon, voilà, tac. Sinon, je pense que c'était pas possible. Ok. Allez. Suivant. Salle 12. Putain, déjà. Donc oui, j'ai pas. Pardon pour ceux qui vont mourir des oreilles parce que je tousse. J'ai pas précisé, mais je n'ai pas le droit, bien sûr, de casser de bloc. J'ai juste le droit de sauter et de d'utiliser les checkpoints pour finir la map, hein, tout simplement. Alors, attends, c'est quoi ça? Ok. Alors, salle 13, ok. Et bah, redu jump, donc on est parti. Tac, 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 hop, hop, hop là. Une échelle! Checkpoint, non, à mon avis, là, ouais, il fera. On s'en fout un peu, non? Ouais, on s'en fout un peu. Ah, ouais, il y a de la lave là. Ouais, il y a de la lave là. Donc, là, bien sûr, comme je vais pas avoir fait le checkpoint, je vais mourir, ça c'est sûr. Le problème, c'est qu'il est où le soleil là? Ouais, à mon avis, ouais, je vais me faire défenestrer. Bon, est-ce que je tente quand même ou pas? Oui. Si je tente et si je meurs, bon, sachant que je suis en peaceful, il y a quand même peu de chances que je meure, à part si je reste vraiment très longtemps dans la lave. Mais là, vous voyez, c'est des sauts absolument easy. Sans parler de easy. Alors, salle 15. ouais, ok. Alors, est-ce qu'on peut m'expliquer la difficulté de cette salle en fait? Ouais. Bon, d'accord. Alors, un petit labyrinthe de feuilles. J'aurais tendance à dire que je n'aime pas les labyrinthes. Mais que celui-là était vraiment très simple. Donc là, on va absolument rien voir. Moi, je vous jure que moi non plus. Hein. Attendez, parce que là... Ah si, je peux sauter là. Et le bouton est là-bas. Ouais, d'accord. Ok, donc heureusement que c'était rapide parce que on voyait que dalle.
Alors, tu poudoup. Voilà, salle 19. Ouais. Ah oui, d'accord. Ok, bon, ça c'est fait. Voilà. Salle 20. La 19 était vraiment nulle à chier. C'était vraiment, je pense, pour les femmes. Je rigole. Ok, alors ça c'était G. Alors. Tac. Ça. Oh putain! Non, mais ça c'est bon, je commence à avoir une armure complète. En double, en triple. Voilà. Tac! Nous arrivons, messieurs, dames, dans la salle 21. Oh putain! Alors ça c'est fourbe. Parce qu'en plus, avec mon pack de textures, on voit rien du tout. Alors attendez. Ouais, quand il y a un contour trop fin, c'est qu'il n'y a pas de vitre. Vous voyez, on voit quand même pas grand-chose. Attendez, parce qu'en fait, où est-ce qu'il faut que j'aille? D'accord, faut que je descende après ici. Donc, genre là, si là il y en a un. Là il n'y en a pas. Hop. Là il n'y en a pas. Là il y en a une. Voilà, et je descends là, je suppose. Ok, alors je regarde un petit coup mon timer. Il nous reste 8 minutes 49, j'ai envie de dire. Voilà, quoi, c'est tranquille. Allez, salle 22. Allez! Allez, allô? Pourquoi tu veux pas rentrer dans la salle? Là, salle 22. Alors, joueur pisse, joueur jaune. Joueur pisse, joueur jaune? Moi, j'ai soit les blocs d'or, hein, parce que j'aime bien l'or. Je rigole, je déteste. Allez, hop! Donc, ça, c'était easy. Easy maniaque. Checkpoint, on peut pas dormir. Là, ce que je vais peut-être faire quand même, c'est que je vais me caler un coup de je vais attendre de voir la nuit. Et puis je vous reprends dans quelques petites minutes. A tout de suite les amis. Ok, voilà, re les amis. Alors voilà, bah, j'ai dû attendre bien 10 minutes. Je me suis même pété le mur pour pouvoir un peu voir où était le soleil. Ouais, ça c'est quand même vraiment chiant de devoir attendre la nuit pour dormir. Bon, ça a une certaine logique, mais d'un autre côté, des fois tu dors un petit peu la journée, si t'as envie de faire une sieste. Certes, ça te passe pas le lendemain, mais bon, bref. Ok. Alors justement, j'en ai profité de cette petite pause pour réfléchir juste 2 minutes. Alors pour répondre à tous ceux qui me demandent le lien de mon pack de textures, en fait, donc c'est le Sortex Plus, comme vous le savez sûrement. Plus parce qu'en fait, il a été modifié par un ami à moi, Travis. Sauf que maintenant, l'auteur du pack de base, pardon, Sortex de base, ne souhaite plus qu'on diffuse sur Internet et qu'on mette en téléchargement libre son pack de textures modifié. Donc je suis désolé, je ne pourrais pas vous mettre. Ok, une salle avec du feu. Je ne pourrais pas vous mettre le lien du pack de textures. Car l'auteur ne souhaite plus qu'on diffuse son pack modifié. Donc en fait, simplement, vous devrez vous-même télécharger le pack Sortex normal. Et à la limite, bah, changer vous-même les items que vous souhaitez. Moi je trouve ça un petit peu dommage parce que bon, d'un côté je comprends que le mec ne veut pas qu'on distribue son thème, enfin son merde, putain, j'ai fait quoi là? Ok, son pack de textures modifiées. D'un autre côté il ne fait pas les icônes et les items dans les trucs, vous voyez ici là, il ne fait pas non plus les armures ni les armes. Donc ouais, bah c'est vrai que je trouve ça un peu dommage parce que du coup c'est le truc de base et que voilà. Donc voilà, bah, désolé, donc il va falloir vous débrouiller un petit peu tout seul, je suis vraiment désolé, je peux plus le diffuser. Alors pour les PGM, laissez les trates fermées. Et ça commence à me saouler de tousser. C'est dit. Eh bah écoutez, on va essayer de faire les PGM. Oh putain, ça va être chaud. Ça va être chaud. Alors. Tac. Tac. Et on va essayer. Oh les. Hop là. On va essayer de se la faire comme ça. Parce que je sais que lui, Nephilis, avait réussi. Après maintes et maintes tentatives, certes. Mais il avait réussi, ce petit fumier. Donc on va essayer de réussir comme ça. Oh là, le vieux lac de merde en même temps. Oh, tac. Et ben écoutez, on va quand même s'accrocher. C'est de monter cette colonne en barbe à papa. Tac. Tac, tac.
Allez, passe. Allez. Passe ce muret, espèce de... Voilà. Et en tout cas, avant la vidéo des 5000, mais c'est pas vrai. Dès que je parle, en fait, je me déconcentre. Avant la vidéo des 5000, je souhaitais quand même à tous vous remercier parce que, mine de rien, la chaîne évolue encore de jour en jour. Il y a des nouveaux abonnés. Putain, mais c'est pas vrai, pourquoi est-ce que je fais ça? Des nouveaux abonnés tous les jours, et ça, franchement, je vous remercie beaucoup. C'est vraiment cool. Surtout en ce moment parce que, ouais, bah, vous avez pu voir qu'il y a un tout petit peu moins de vidéos que d'habitude. Pour des raisons personnelles, encore une fois, hein, voilà. Donc voilà, je vous remercie énormément tous ceux qui m'ont soutenu donc sur le Facebook et sur la chaîne. C'est vraiment très très sympa. Et voilà, j'espère ne pas vous décevoir. Et je vais essayer de faire un petit truc sympa pour la vidéo des 5000 abonnés. Alors non, ça ne sera pas une vidéo d'FAQ. Car en fait, j'ai vu qu'il y en avait qui m'a demandé à quand la vidéo des 5000 FAQ. Parce que j'ai jamais... Enfin, il me semble, en tout cas je m'en souviens pas. Si je l'ai dit, que j'allais pas faire de... Enfin, j'ai jamais dit que j'allais faire une vidéo FAQ aux 5000, mais peut-être que je l'ai dit un jour et que je reviens sur ma décision, hein, mais... Ouais, je ferai pas de vidéo FAQ, non! Putain! Bon, je suis pas retombé en bas, mais... Je suis quand même retombé. Ok, il y a Battlefield 3 qui vient de me dire que c'était prêt à jouer. Putain, c'est pas vrai, ça. Ok, donc là, je suis retombé carrément en bas! Donc je sais plus ce que je disais. En tout cas voilà, ça sera pas une vidéo FAQ, ça sera une vidéo, bah vous verrez. J'ai pas encore tout dans la tête, mais vous verrez, ça va être un truc, j'espère, cool. Et cette putain de colonne commence un petit peu à me casser, un petit peu ce qu'on pourrait communément appeler les noix. Donc on va essayer de se la faire quand même, mais je vous avoue que je suis un petit peu... Ah, j'ai pas remis mon timer, putain de merde. Donc, bah voilà, la vidéo. Bon, allez, je me concentre. Alors, je sais pas si vous entendez les touches de mon clavier, mais sachez qu'il prend relativement cher. Ah! Pardon. Voilà. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. J'ai chaud les amis, vous imaginez même pas. D'une parce que... Putain. D'une parce qu'il fait chaud. Et de deux parce que je suis over... concentré à faire ce saut de merde. Sans déconner, qui a pensé, tiens, on va mettre des trappes, on va les fermer. Et on va les... Et voilà, ça va être ça le truc, c'est que il faut sauter sur des trappes fermées. Le mec qui a pas envie de se faire chier déjà dans sa vie. Il... Putain de merde quoi. Là, c'est encore haut en plus, putain. Pourquoi je fais ce que... Pourquoi est-ce que je fais des sauts aussi longs? Là. Et là, ouais, je vous avoue, je suis blasé parce que je pensais pouvoir arriver à faire mieux que Nef sur ce saut là. Parce que j'ai vu qu'il avait galéré, je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas galérer autant que ça. En fait, si, carrément. En fait, si, carrément. Donc pour ceux qui se disent « Ouais, monsieur le Villa, c'est un gros noob », eh ben, téléchargez la map. Et faites-le vraiment sans faire les noobs, c'est-à-dire sans... J'ai tellement peur que je saute même pas. Sans ouvrir les trappes, bien sûr. Hein. Oh putain, j'ai flippé là. Attends, là. En fait, je suis assez haut là et j'ai tellement peur de me toller que je coordonne même plus, non! Non! Que je coordonne même plus mes mouvements. Ouais, d'accord. Putain! Bon, allez, je vous passe ce moment en accéléré parce que. Parce que ça me gave! Donc, vous le verrez quand même, comme ça, j'aurai la preuve que j'ai bien fait, mais en accéléré. Parce que là, je vous avoue que ça me casse bien.
Putain, mais c'est pas vrai, sans déconner quoi, merde! J'ai réveillé les voisins, je suis un malade, moi. Ouais. J'ai chaud, c'est un truc de malade. Oh, j'ai trouvé la technique! Ah non, en fait, non. Oh si, ça c'est une technique, ça. Putain, mais c'est pas vrai! Je suis concentré là. Oh yes, c'est le GG. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai trouvé une petite technique hein, avec le snake, en se mettant bien sur le côté et ça passe crème. Donc si j'avais fait ça dès le début, bah voilà. En tout cas, j'ai quand même fait le PGM parce que j'ai réussi d'une. Et d'une part, j'ai trouvé une technique de PGM. Donc ça, c'est over PGM quoi. Donc là. Les amis, voilà, en plus c'est la nuit, nickel. C'est la fin de cet épisode, je vous remercie à tous, mais tous, de l'avoir regardé. Et je vous dis à très bientôt donc pour la suite de ce défi. Nous sommes, les amis, à la salle 30 en un épisode, je trouve que c'est quand même cool. Et donc voilà, je vous dis à très très bientôt, je vous remercie encore une fois, et je vous fais des bisous, je vous embrasse, et à la prochaine. Jouez bien, salut tout le monde.